Comment voudrais-tu qu'un corps lave nous stimule? Un jour après jour, les problèmes s'accumulent. Comment éviter de penser à la suppression comme solution pour voir un nouveau jour qui s'apparente à une punition? Depuis la naissance, je sens que la chance m'esquive. Donc toutes mes peurs sont encore primitives. Une douleur affective que je ne sais avec qui partager. Avant pige, j'avais déjà l'impression d'être une personne âgée. Car personne n'est assez solide pour encadrer mes écarts, ceux qui surviennent lorsque mon esprit s'égare. Parce qu'une mauvaise nouvelle encore arrive, et se faisant d'une lueur d'espoir me prive. Et si tout n'est pas noir, c'est que ce n'est pas fini. Est-ce surprenant que je me déprave, que mes neurones soient désunis, suis-je une épave, un lâche dans mon comportement? Tristesse permanente, car je n'ai jamais su faire autrement. Trop tôt, le destin m'a pris pour son sac de frappe. Il m'engrippe, je sais pas quoi faire pour que je me rattrape. Mon monde s'tapisse de pensées bien trop sombres, à deux doigts de n'être plus qu'un tas de décombres. Ses fondations ne sont qu'un amas de cravates, mon âme. Et l'embarcation sur le fleuve, ma vie n'a ni voile, ni moteur, ni rame. J'ai toujours pas trouvé la technique qui me fera aller de l'avant. Et parfois, je veux cesser d'essayer car c'est trop crevant. Écrire des vies à peine, ma peine et mes tourments. Lui, je tourne en rond, je le reconnais pleinement. Dur d'avoir la haine contre son ennemi quand c'est souvent soi-même. Est-ce ma faute si régulièrement reviennent les mêmes problèmes qui jour après jour toujours s'accumulent? Donc comment voudrais-tu qu'encore la vie me stimule? Elle ne m'offre que de l'horreur, du dégoût, du dépit. Pas un seul jour de pause, de repos, de répit. Dans la vie, il n'y a pas de pause, ni de répit, ni de repos. Donc logiquement, on ne met pas de refrain. Et au pire, tu prends cette phrase, tu la fais tourner en boucle et tu n'as qu'à te dire que c'en est un. Dans la vie, il n'y a pas de pause, ni de répit, ni de repos. Donc logiquement, on ne met pas de refrain. Et au pire, tu prends cette phrase, tu la fais tourner en boucle, et tu n'as qu'à te dire que c'en est un. J'ai 99 problèmes quand c'est une petite semaine, et qu'on en enlève mon cœur et ses peines. Et ils prennent bien trop d'importance dans ma vie, si bien que dès lors qu'un nouvel échange gravit, j'en vois encore 100 qui m'attendent pour remonter à la surface, sans oublier les épines que l'on m'envoie dans la face. Facile de se plaindre, mais je n'ose même plus lutter. J'attends plus que l'instant où je viendrai à chuter, car je suis sûr que ceci ne va pas tarder. Damn, qu'est-ce qui pourrait sur terre me garder? Je regarde tout et rien ne semble satisfaire. Est-ce donc alors si surprenant que je me laisse faire? Fuck la fierté quand les problèmes sans cesse t'abaissent, te blessent, l'avouer ne prouve aucune faiblesse. C'est rien qu'à fait qu'il faudrait surpasser, mais pour ce faire de temps je n'en aurai jamais assez. Lassé, je voudrais tout lâcher mais je ne l'ose, ça pue la loose, la lâcheté derrière mes paupières closes. Rêvant d'évasion hors de cet environnement cloisonné, mais ça ne traîne qu'en bas à zoner. Perdant la raison quand résonne dans le crâne des pensées sombres, celles-ci arrivant trop vite et en trop grand nombre. J'en fais pas la liste, mais avec ce texte je les évacue. Je fais pas ça pour la musique, mais à cause de mon vécu. Et je m'en fous bien du message que ça véhicule, normal quand les soucis ne sont plus un simple monticule, mais une montagne qui m'écrase de tout son poids. Quand on ressent ça, peut-on garder espoir? Ça se voit que je suis perdu dans l'inconnu, incapable de gérer tous les problèmes jusqu'ici survenus. Ça va bien plus loin qu'un simple manque de peau. Surtout qu'il ne me laisse pas de pause, ni de répit, ni de repos. Dans la vie, il n'y a pas de pause, ni de répit, ni de repos. Donc logiquement, on ne met pas de refrain. Et au pire, tu prends cette phrase, tu la fais tourner en boucle, et tu n'as qu'à te dire que c'en est un. Dans la vie, il n'y a pas de pause, ni de répit, ni de repos. Donc logiquement, on ne met pas de refrain. Et au pire, tu prends cette phrase, tu la fais tourner en boucle, et tu n'as qu'à te dire que c'en est un. Je voulais prendre l'autoroute du bonheur, rouler vers lui à 130 km/h. Ouais, mais je n'ai même pas la monnaie pour péage, dommage oui, et surtout ça fout la rage. À mon âge, encore tellement d'obstacles sur mon chemin, et si j'essaye de les éclater de mes propres mains, je me mords les doigts vers leur densité, grave car j'en vois devant moi une immensité. Agoraphobe, imagine alors quel est mon malaise. Pour lutter, je fais des sons sans souci qu'ils plaisent. Clairement, ce n'est pas suffisant, mais je n'ai plus d'idées afin d'éviter que les problèmes me suivent jusqu'à ce que je sois ridé. Toujours pas élucidé pourquoi je les attire tel un aimant. Apparemment, pour moi, le ciel n'a pas prévu d'être aimant. Si seulement je savais au moins à quoi me préparer, face à tout ceci qui s'accumule, je serais préparé à les recevoir, les regarder en face, même si je préférais plutôt qu'ils s'effacent. Peu possible, donc il faut que je fasse avec. Peu possible, qu'importe le montant écrit sur le chèque.
celui-là même que je ne saurais signer. T'as pas compris comment la vie m'avait saigné? Assassiné sans aucune pitié ni sommation. J'exagère à peine, écoute mon cœur, ses pulsations. Donc ma suppression, c'est normal que j'y pense. Ça compenserait peut-être mon manque de chance. J'ai pas confiance en ce que celle-ci apparaisse. Trop paresseuse pour qu'elle vienne me faire une caresse. Car elle sait aussi que je risque de répondre par une baffe. Bien méritée car elle a mal fait son taf. Laissant jour après jour les problèmes s'accumuler. Donc comment la vie aurait-elle encore pu me stimuler? Dans la vie, y a pas de pause, ni de répit, ni de repos. Donc logiquement, on ne met pas de refrain. Et au pire, tu prends cette phrase, tu la fais tourner en boucle, et tu n'as qu'à te dire que c'en est un. Dans la vie, y a pas de pause, ni de répit, ni de repos. Donc logiquement, on ne met pas de refrain. Et au pire, tu prends cette phrase, tu la fais tourner en boucle, et tu n'as qu'à te dire que c'en est un. Dans la vie, y a pas de pause, ni de répit, ni de repos. Donc logiquement, on ne met pas de refrain. Et au pire, tu prends cette phrase, tu la fais tourner en boucle, et tu n'as qu'à te dire que c'en est un.